Donc, deuxième partie pour les réveils entre 1 heure et 3 heures. Donc là, ça serait le foie. On aurait petit bobo à son foie. Donc, pour tout ça, il faudrait alors, il faudrait donc boire un verre d'eau fraîche au moment du réveil. Boire un verre d'eau fraîche au moment du réveil. Allez, on met son petit verre d'eau, il est là, il est trop mignon. Il a des yeux et des glaçons. Tac. Alors, on peut aussi, on va mettre ça dans l'autre sens quand même, mettre une goutte d'huile essentielle de lavande vraie sur le foie. Mettre une goutte d'huile essentielle de lavande vraie sur le foie. Hop, le petit foie, on va le coller. Voilà, on pourrait aussi éviter les dîner riche. Donc là, j'ai fait un petit chat qui mange une pizza. Voilà. Attendez que je trouve ma petite grille. On peut aussi donc mettre. Donc j'aurais ça, ok. On pourrait aussi mettre une bouillotte chaude sur le foie pendant 20 minutes avant de dormir. Mettre une bouillotte chaude sur le foie 20 minutes avant de dormir. Allez, ça reste toujours collé sur le truc. La petite bouillotte. Voilà. Et on peut se coucher sur le côté droit, genou semi-plié. Attendez, j'ai ma petite grille à mettre. Je vais la mettre là. Donc là, je vais mettre se coucher sur le côté 3. Genou semi-plié. Bon, il n'a pas les genoux pliés, hein, le petit mouton, mais du côté droit. Tac. J'ai mis un gros pâté de colle. Et je vais mettre une grille pour savoir si au mois de mars, j'ai ce genre de réveil. Voilà.
Donc, la troisième partie concernera les réveils entre 3 et 5 heures. Moi, je suis souvent concernée par ce genre de réveil. Mais je vais faire une troisième partie. Donc, je vous rejoins dans la troisième partie. À tout de suite.